Salut tout le monde, c'est Cléa. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 du Runaway Teen Challenge. Dans cet épisode, j'espère que les enfants vont grandir. On est samedi soir, Alexandra retravaille demain. Donc on va bien s'occuper d'elle. Et sinon, à part ça, en fait, j'ai un petit peu raté l'enregistrement. Mais j'étais allée voir pour par rapport aux graines si je pouvais en trouver sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trouvé l'option commander. Donc je sais pas si on peut commander quelque chose chez les gens ou pas. Donc j'ai pas trouvé. Donc bah, pour l'instant on peut pas trop vu qu'on n'a pas d'ordinateur. On verra après. Bon bah voilà, on va commencer à jouer. Bah là elle est en pleine forme en fait. Je vais la laisser faire un petit peu ce qu'elle veut. Ah, les enfants, ils ont faim. Bon, alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les nourrir. Et puis, nourrir, allaiter. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, pour l'instant, il ne pleure pas. Toi, comment tu te sens? Tu as faim, donc tu vas manger l'assiette qui traîne là. Elle est encore bonne. Ça, c'est à réparer. 86 choses. Bah écoutez, tant pis, on va les remplacer. Et il n'y a que ça qui fuit. Oui, super. Bon, j'ai hâte qu'ils repartent bosser parce que là, du coup, on a vraiment plus de sous quoi. Ah, un bébé pleure. Du coup, tu vas. Tu vas apaiser. Voilà. Je sais pas ce qu'elle était partie. Bah, je vais la faire dormir du coup. Voilà. Et puis toi aussi, tu vas avoir besoin de dormir. Donc tu vas aller aussi te coucher. Voilà. Hop. Non. Ah non, il y a un bébé qui pleure. Mais c'est pas grave. Toi, tu vas y aller. C'est lequel qui pleure? C'est celui-là. Je vais le nourrir. Ouais, il avait faim. Et toi, est-ce que t'as faim du coup? Pas vraiment. Bon. Pour l'instant, il ne pleure plus. Il y en a un qui dort. Toi, tu vas aller te coucher. Ça serait pas mal. Dormir. Et toi, tu dors déjà. Et toi, tu es réveillé? Non, tu n'es pas allé dormir encore. Bah, profites-en pendant que les enfants sont calmes. Parce que ça va pas durer longtemps. Bon, les enfants, je pense qu'ils vont pas tarder à grandir. Oh mon Dieu, c'est ce que je disais, ça va pas durer longtemps. Tu peux repartir dans le lit. J'arrive à pas la faire dormir, décidément. En plus, elle va super bien, il y a juste... Faut juste la faire dormir un peu. Et toi, Alexandra? Alexandra, bah, elle va bientôt se réveiller. Et puis, elle va être super bien pour aller au boulot, du coup. Voilà. Alors, il faut qu'elle aille aux toilettes. Elle aille aux toilettes. On va prendre une douche vite fait. Allez, ouais, c'est bien, va t'occuper des petits. C'est l'anniversaire de Mathieu, parce que le temps passe vite. Ah, donc normalement dans cet épisode, on va les voir grandir. Maintenant, tu vas prendre un truc à manger. Et puis, ça sera parfait pour aller bosser, parce que tu vas dans 5 heures. Bon, t'as encore le temps. C'est parfait. Oh, j'ai cru que c'était le mari de l'autre, j'ai eu peur. Non, non, c'est bien son mari. Bah voilà, elle est super bien là. On va remonter un tout petit peu le divertissement, il n'y a pas trop besoin, mais... Ah, bah non, les bébés pleurent, s'occuper des bébés. Nourrir et nourrir. Voilà. Parfait. Toi, tu pleures encore, apaisé. Et voilà, allez,
Faire du zapping. Ah, elle va super bien, je suis vraiment contente. Et j'espère qu'on aura une promotion aujourd'hui, ça serait vraiment cool quoi. Elle est tellement motivée qu'elle fait des pompes. Bon, ça se trouve là j'aurais pu m'occuper des bébés vu qu'on va aller bosser. Voilà, on va l'accompagner. Ça va nous faire un petit peu de repos avec les enfants. Je me dis à force qu'il y ait de contenu, le jeu il risque d'être long à charger. Alors, bon, c'est parti, on est en forme. On commence prélever, faire une piqûre. Alors. Non, toi tu peux pas. Toi. Ah, mais bien sûr, il n'y en a aucun que je peux faire de piqûre. Je vais aller vers elle, ou lui, peu importe. Examiner les yeux. Non, c'était les yeux que je voulais examiner. Voilà. Et prélever un échantillon. Ok. Ça, c'est fait. Je vais le radiographier. Et analyser son... Non. Analyser son échantillon. Voilà. Après, il faut faire quoi? Transférer le cas. Non, tu vas transférer son cas. Ah, dépêche-toi. Voilà. Du coup, ça y est. On peut voir ce qu'il a. Non, toujours pas de piqûre. Mon sang. Et elle. Du coup. Ils ont tous besoin de médicaments. Non, c'est pas possible. Bon, bah, faut croire. Bon, on va prendre un autre patient. Je vais la prendre, elle. À le mettre sur un lit. J'aime bien parce qu'ils virent les patients pour les mettre sur un autre lit. Alors, examine la patiente. Les oreilles. Ah, c'est Cassandra Gothique. Prendre la température, prélever un échantillon. Voilà. Bon, on avance petit à petit, là, ça se passe bien. Va falloir que j'analyse. Bon, allez, c'est parti pour une analyse. Hop, voilà. Et ensuite, tu vas transférer le cas du patient. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, j'espère que cette fois, ça sera bon. Ah, une piqûre, enfin. Voilà, parfait. Maintenant, je vais prendre ce patient-là. Je vais l'emmener directement faire une radio. Ça va être ici. Et ensuite je donnerai à manger. Alors, je vais rester plus tard. On a besoin d'argent en plus. Puis là, je pense qu'il y a moyen qu'on ait une promotion. On va atteindre la barre. Mince. Non, tant pis. Examiner les yeux. Donner à manger. Prélever un échantillon. Ah,
Alors, tu vas revenir prélever un échantillon. Voilà. Et radiographier le corps. Et ben voilà, ça y est, on a terminé. Donc du coup, moi ce que je propose, c'est que je la laisse un petit peu faire ce qu'elle a envie. Là, à la fin, elle a bien mérité de manger un petit quelque chose. Ah, je suis super contente. C'est tout. Non! Pas de promotion. Non. Bon, bah ça sera pour la prochaine fois. On a quand même plus d'argent que d'habitude. Alors là, ce que j'aimerais bien, c'est que les enfants grandissent, du coup, qu'on puisse aller faire un petit relooking. Ça serait vraiment sympa. Alors. Alors, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Ouais, bah je vais juste aller la faire dormir. Elle a besoin de repos. Ok. Alors, du coup. Bah je crois que les autres ils sont bien. Et ils reprennent le boulot demain. Donc on va avoir les sous là qui vont revenir. C'est cool. Alors les bébés sont bien calmes. Je sais pas si c'est parce qu'ils vont grandir, mais... ils sont super calmes là. Du coup, ma Sim 7, bah, c'est bon, elle va avoir assez dormi. Bientôt. Hop, je vais la faire se réveiller. Elle va manger devant la télé. Et toi, tu vas... Non, tu vas rester en fait. Et vous allez peut-être discuter ensemble. Non. Quoi? 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 Oh non. Non. Oh non, je suis blasée, je suis dégoûtée. Je crois qu'il y a un des hommes qui vient de se... Oh mon dieu. On a un... On a comment il s'appelle? Guillaume qui vient de se faire enlever par... par des extraterrestres. Du coup j'ai trop peur qu'il soit enceinte en fait. Parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu quoi. Parce que sachant qu'on est déjà beaucoup. Alors toi tu vas t'occuper de toi. Toi tu vas t'occuper des bébés, tu vas les nourrir. Et toi tu vas prendre soin de toi parce que tu sois en forme pour aller bosser. Pipi et douche déjà. Douche. Tu vas remanger un truc. Voilà. Tu vas t'occuper de ça. Puis bah après tu iras redormir un peu. Et ça sera parfait. Bon. Bébé sont calmes, ça y est. Ah non, j'ai parlé trop vite. Apaisé. Voilà. Ah, ça y est. Mathieu a vieilli. Alors. Mathieu, qu'est-ce que je vais lui mettre? Je veux que ce soit... Un petit génie. Et... ce soit... Il soit pitre. Voilà.
Du coup, la petite va pas tarder à grandir aussi. Le berceau, du coup, on va le... Ah bah attendez, j'aurais dû attendre parce que je vendrai les deux en même temps. Toi, t'en es où? Maintenant, tu as besoin de... Va redormir un petit peu. Et quelqu'un, il faut qu'il aille apaiser la petite. Alors, par contre, du coup, toi, Mathieu, tu vas avoir cette chambre. Tu vas réclamer ce lit. Je vais vérifier qu'il puisse dormir dedans. Ouais, c'est parfait. Bon. Ce que je vais te faire faire, c'est que tu vas faire tes devoirs, du coup. Voilà. Je vais la faire grandir, je pense, en fait. Toi, va faire grandir ta fille. Et je vous propose qu'on aille voir comment ils sont habillés, voir pour faire un petit relooking. Parce que là, on n'a pas le temps de faire retourner Alex. Allez, dépêche-toi d'aller là. Non, tu veux pas. Toi, va la faire grandir. Changer d'âge. Ah, elle est blonde, c'est trop mignon. Elle va être très sociable. Et puis, voilà. Red bibliothèque. Voilà. Alors, je vais faire le code pour aller directement les avoir tous. Testing cheats. Trou, je sais même plus si c'est si y a un espace ou pas. Apparemment. Oui. Testing cheats. Trou. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur elle et on va modifier. On va aller voir ça. Alors. Ah. Non, vous pourrez croire que c'est la fille d'Alex. D'Alexandra. Mais en fait, c'est la fille d'Alex. Alors, le petit garçon. Oh, le... Ok, petit pyjama avec les têtes de mort. Ok, pourquoi pas, pas de souci. Là, comment tu es habillée? Ouais, ça passe. J'aime pas les boucles d'oreilles. Je vais les enlever. La couleur, je vais peut-être la changer aussi du pull en bleu. Voilà. Bon, allez, ça c'est bien. De toute façon, après ils vont grandir, donc ça, là je vais t'enlever les lunettes. Le pyjama. Mais je l'aime pas en rouge le pyjama. En bleu. C'est mieux là. Tenue de fête, ouais, mais... On va mettre un jean et puis on va mettre des chaussures. Voilà. Et puis voilà, c'est bon pour lui. Maintenant, on va s'occuper de la petite. Alors, ses cheveux sont très bien, j'hésite. Mais il y a une coiffure que j'adore pour les enfants. J'ai très envie de la mettre, du coup. C'est... Ah, c'est nouveau, ça. Ah, je l'avais pas avant, du coup. Ah, la coiffure, celle-là, elle marche pas. Par contre, je vais lui remettre ses cheveux blonds. Était comme ça. Non, ah, trop beau. Ça non plus, j'avais jamais vu qu'il y avait ça. Là, ok. Moi, c'est celle-là que j'aime bien. J'adore celle-là, elle est magnifique.
Du coup, pourquoi pas lui laisser ce pull plus en rose? Ouais, le pantalon est bien et les chaussures. La pauvre, elle est toute en rose. Ah ouais. Ça fait super sérieux en plus. Elle est rat de bibliothèque. Ouais, c'est bien. Le pyjama. Ça, c'est quoi pour le sport? Ouais, si tu veux. Pyjama, ok. Ouais, c'est mignon ça. Plus ça c'est pour la vie de fête. Ouais, on va mettre autre chose pour la vie de fête quand même. Il y a quoi en nouveauté? Parce que bon, c'est pas nouveau, mais moi sachant que je les ai eu plus tard que quand ils sont sortis, pour moi c'est nouveau. Tiens, j'ai bien envie de mettre celle-ci de robe. Mais non, vous savez quoi? Je voudrais mettre celle-là de robe. Ah, trop belle. Trop trop belle. Les chaussures. On a ceux-là. Faut que je les mette en blanche. Voilà. Et là, en fait, finalement, je crois que je vais lui mettre la robe. Oh non, trop chou. Il y a des... Ça doit être avec le truc d'Halloween. Mais non, je vais pas l'habiller comme ça, mais je vais... C'est trop mignon. Ah! Ah, j'adore. Mais c'est une robe, ça! Bah ouais, faut croire. Du coup, elle est où celle que j'aime bien? Il y avait celle-là, j'aimais bien. Cette couleur, ça lui va bien. Donc je vais mettre cette couleur, je vais lui remettre les chaussures en blanche. Voilà. Ensuite là c'était bon. Moi je crois que c'était bon partout. Ouais. Ok. Et bah c'est bon. Ouais. Voilà. Bah c'est tout, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Ça me fait super plaisir d'avoir vos commentaires. Et puis regardez la description. Vous avez tous les liens des réseaux sociaux. Donc. N'hésitez pas à aller voir, voilà. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, salut!